Deux personnes de gang de requins. Ah! Ah bah les prochains, on fera des poissons et on donnera ces noms-là. De Gange. Gange de requin. C'est la parodie de gang de le requin, mais en Inde et dans le Gange. La maman de Bambi. C'est Bamma! Récupérer de la viande. Oh, y'en a tellement. Qui c'est? Natatat, revenez tous. Qui c'est l'immonde? Que dis-je? Le dégueulasse qui a fait popo dans le temple? Je peux vous assurer que ce n'est pas amusant. Est-ce que c'est toi? T'es très inspiré pour chier par terre ou c'est moi? Particulièrement inspiré. Ça t'a inspiré les sphincters, oui? Lucille Gugleux, est-ce que tu as fait popo sur le plancher? La viande m'a réchauffé le cœur et m'a réchauffé l'anus. J'ai pas pu me retenir et j'ai chié sur le plancher du temple. Waffle, non, ça peut pas être toi. Pas toi, pas comme ça. A fait ses besoins dehors. Bon, au moins on saura qui c'est. Bama le traître. Ouais, sûrement, ouais. Ah tiens, Waffle Spike, un truc à me dire. Je pense que c'est Bana qui a fait... Ah ça c'est marrant ça, t'as vraiment un problème avec Bama. Je suis sûr que Bama qui prétend être fidèle à notre culte a en fait fait popo sur les murs du temple. C'est honteux. Envoyez Bama en prison. Alors ça, je sais qu'il y a des gens qui font du RP, mais du RP à ce point. Alors, on a fait popo, hein? C'est lui qui se fout de sa gueule. Utiliser les toilettes extérieures, tout le monde le fait, c'est naturel. Ah mais du coup, elle a utilisé les toilettes extérieures donc c'est bizarre. On va nommer Waffle en garde de la foi. Comme ça il va enquêter pour nous au sujet de Bama là. Un nouveau garde de la foi a été nommé moins 15. Comment ça? Pas moins 15, genre ils sont pas contents qu'il y ait un nouveau garde de la foi là. Comme un nouveau gardien de prison. Ah dit, ouais. Elle dit comme ça c'est pas fou. Irina Blegui, nous devons prêcher notre parole auprès du plus grand nombre. Waffle le second voudrait devenir missionnaire. Envoyer Waffle le second en mission. Ah mais attends, est-ce que Shadow ça serait pas l'allié de Bama et il essaye d'envoyer Waffle, l'inspecteur Waffle, loin en mission pour pouvoir foutre la merde. Ça, c'est bizarre. C'est très très bizarre quand même. C'est très très bizarre. Tu peux imaginer une telle trahison, l'agneau. Connais-tu le sentiment d'être abandonné par mes propres copains? Non, je peux plus là, c'est trop triste. Tu regardes. Oh Bama, oh non. Bama qui nous trahit encore. Oh non. Waffle Spy avait raison. Il avait raison depuis le début. Il avait. Ah mais vraiment. Je paye le bichet pour Bama. Waffle Spy qui arrive juste à ce moment-là. Non mais vraiment. Bama nous a quittés. Bah oui, tu m'étonnes, oui. Je ne sais pas, c'est que Bama est avec nous sur le chat. Et cette Bama dont tu parles, est-ce qu'elle est dans la pièce? Est-ce qu'elle est actuellement dans la pièce, la Bama dont tu parles? Comme ça, tout le monde sera content. Oh, Lucille Gugleux qui se jette dessus. Qui se jette sur la chair de Bama. La haine de Bama est toujours là. Alors, tant qu'à faire. On a l'âne de Shrek. Ah, mais attendez, on n'avait pas sacrifié l'âne de Shrek? On peut pas avoir Shrek, d'ailleurs, si on a l'âne de Shrek. En vrai, un cochon, c'est un peu Shrek. Là, c'est Shrek. Non, mais je veux dire, leur ressemblance est frappante. Débloque un ensemble de décorations terrifiantes faites doucement de vos ennemis. Oh ça j'aime bien, ça me plaît. Vous savez que en ce moment j'ai des gros problèmes de moustiques. Je vais me coucher, il y a aucun moustique et pendant la nuit je suis obligé d'en tuer 3. Et je me suis dit est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre des cure-dents, de planter les moustiques que je flingue dessus et de les mettre soit à la fenêtre, soit dans toutes les bouches d'aération où il pourrait y en avoir. Je pense c'est une bonne idée en vrai. Ça dissuade. Tu vois lui il est là, il arrive. Ah oui là-bas. Hop, il y va. Tranquille. Et puis là, il arrive scandalisé. Une longueur, mais gigantesque, de cure-dent avec plein de moustiques dessus. Je pense ça dissuade. Mais arrive un truc trop marrant avec les moustiques. En fait, j'ai une imprimante qui est juste là. Et il y avait un moustique qui était au-dessus. Moi, j'enroule le torchon et tout. Je fous une grosse mandale. De tête, je pense que je l'ai touché. Mais impossible de retrouver le corps. Je me dis, c'est galère quand même. Ça veut dire qu'il a dû s'échapper. Et là, il y a ma femme à côté qui imprime des trucs. Et là, sur la feuille, on voit une tache d'encre. Mais dégueulasse, quoi. Vraiment le truc. Il y a une lettre, on sait pas ce que c'est, mais elle a bavé. Et en fait, quand j'ai shooté le moustique est tombé. Vous savez là où on met les feuilles pour imprimer? En fait, il est tombé sur une feuille. Mais quand la feuille s'est imprimée, le moustique est passé dessous. Il s'est pris plein d'encre dans la gueule et il a été compressé comme ça. Et donc, voilà, j'avais un fossile de moustique écrasé sur une feuille. Lucille Gleugleu nous a quitté vieillesse. CJ, Lucille Gleugleu. Ah, au moins, on a un souvenir. Voilà, Gleugleu, descendante officielle de Lucille Gleugleu. Ah, le chat Twitch décide de votre destin. Attends, quoi? Un adepte aléatoire a été tué au chat Twitch. Gleugleu nous a... Gleugleu qui vient de refaire son perso il y a 2 secondes et qui s'auto-tue. D'abord, là, il y a Gleugleu. Gleugleu 2.0. Ah merde, il y avait déjà Gleugleu 2.0.
Et on a fait glu 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 en plus. Parce que du coup, il y a deux fois le même perso. Oh non, j'ai une idée incroyable. Permet d'ordonner à deux adeptes de se battre jusqu'à la mort, à moins bien sûr que vous décidez de faire preuve de clémence. Alors bah, finisher. Oh non. Un adepte enterré a été ressuscité. Le sligleugleu est revenu pour se pencher. Oh la vache. Big boy. C'est Jiria. Ah ouf. Nouvel adepte. Babouche se recrute près d'une tombe. Oui, c'est ça. C'est marrant comme principe. C'est des belles idées qui promulguent ce jeu. C'est vrai que faire partie d'une cercle, c'est des bonnes valeurs. Alors, non. Oui, non mais tout de suite, vu comme ça, bon... Et c'est qui se rebelle? Ah non, c'est The Polo. Non mais dis donc là. Sinon après, The Polo c'est un rebelle quoi. Et nous on aime pas trop les rebelles. S'il y a un rebelle et que soudain il est plus là, bon, c'est pas si gênant que ça quoi. Désolé mec. Personne n'a été emprisonné, croissance absolution. Enfin techniquement si, il y a quelqu'un qui a été emprisonné mais... Mais voilà quoi.